Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce mardi 14 mars 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste, lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Aujourd'hui, j'ai pigé joie de vivre. Ma joie de vivre jaillit comme une fontaine de mon fort intérieur. Chaque être qu'elle touche baigne dans cette énergie positive. Alors peut-être que certains d'entre vous, eh bien, vous avez perdu cette joie de vivre par des événements que vous avez vécu, des événements qui n'étaient pas joyeux, et vous avez perdu cette joie de vivre. Elle a peut-être été cette joie de vivre réduite ces derniers mois ou ces dernières années pour certains. Vous vous êtes peut-être laissé influencer beaucoup trop négativement par votre entourage. Vous avez peut-être abordé divers domaines avec gravité au lieu de les considérer avec joie. Et par la même occasion, vous êtes devenu vous-même accablé. Eh bien, la fleur de vie t'offre à nouveau l'énergie de la facilité et de la joie de vivre. Alors, visualise ce champ de marguerite, installe-toi au milieu et imagine que tout va se transformer en positif. Libère-toi de tout ce qui pèse sur toi. Et ensuite, eh bien, ressors de ce bain libérateur et profite de la pulsation de cette énergie positive qui est la joie de vivre dans tout ton corps, dans tes artères, dans tes cellules. La joie de vivre, elle est une vague immense, cette fleur de vie. C'est une vague immense de joie de vivre qui, pour certains d'entre vous, va venir vous rejoindre dans votre vie exactement comme vous le désirez. Vous devez y croire. Alors, la joie de vivre, elle est essentielle, n'est-ce pas, pour continuer son cheminement. Elle fonctionne comme un aimant gigantesque. Alors, tout ce que tu désireras dans ta vie va affluer dans ton existence présentement grâce à cette joie de vivre. C'est la fleur de la joie de vivre qui t'aidera à considérer et à célébrer ta vie comme une fête. On t'invite à ouvrir les bras en grand et embrasse la vie. Laisse-toi traverser par la joie et ressens le flot de la joie de vivre emplir chacune de tes cellules. La fleur de vie te réconfortera pour que tu puisses
répande ta joie dans le monde entier. Et c'est ainsi que la joie de vivre jaillira de toi par vagues, comme si elle partait d'un point central. Ce faisant, elle rejoint tout d'abord, eh bien, ton entourage direct qui est le plus proche de toi, pour en fin de compte entourer de ce champ de joie la planète tout entière. Tout ce qui est entrepris ou réalisé grâce à cette belle énergie de cette joie de vie est hautement positif, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que ce rejaillissement de ta joie de vivre contribuera dans une large mesure à orienter tout ce qui se trouvera sur la Terre en direction d'une énergie positive. Arrête de sombrer. Les expériences que tu es en train de passer, de vivre, ne sont peut-être pas idéales, mais prends-le avec positivité, car ça t'apprend et cette expérience, eh bien, te fait grandir. Je sais que nous sommes dans une époque où c'est pas tout rose et violette, mais regardez, il y a pire que nous, il y a pire que vous. Allez, on remet de la joie de vivre dans notre corps. On prend la décision aujourd'hui de remettre la joie de vivre dans notre corps. Waouh, quel beau message, n'est-ce pas? On termine avec l'oracle des couleurs et j'ai pigé main vert près, la couleur verte, vert près. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Eh bien, si vous avez besoin d'une pause pour retrouver cette joie de vivre, faites-la. Ça vous aidera. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. À demain.